Fait qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog un petit peu plus tranquillou, relax, ici à la maison, à Montréal. Aujourd'hui, c'est vendredi, fait qu'il me reste encore un petit peu de travail à faire today. Mais après ça, je vous amène avec moi pour ce week-end à la maison. On va profiter des joints dans l'hiver. D'ailleurs, au moment que je vous dis ça, il y a une méga tempête de neige qui se passe dehors. Yeah! Dans le fond, je dis ça, mais je ne chiale pas du tout parce que ça va faire en sorte que ça va être vraiment beau dehors en fin de semaine. Puis on va en profiter. Puis moi, je profite quand même très peu souvent de l'hiver québécois, fait que je suis très très dente pour ça. Puis sinon, à part de ça, ben comme vous avez vu ce matin, je continue à avoir une petite routine matinale pour ceux qui ont suivi le Vlogtober. Je vous en avais un peu parlé pendant ces vlogs-là, puis je vous avais un peu montré. Dans le fond, pour moi, mes matins sont rendus vraiment, vraiment sacrés. C'est vraiment le seul moment de la journée que je prends entièrement pour moi, que je suis vraiment loin de toute distraction. Maintenant, j'éteins mon sel jusqu'à 10h le matin minimum. Dans le fond, je l'ouvre juste pas à partir du moment que je me réveille jusqu'à 10h. Ensuite, comme vous avez pu voir, maintenant j'utilise le 5 Minute Journal. Je sais pas si certains d'entre vous font ça aussi, mais moi j'adore ça. Dans le fond, c'est un journal dans lequel t'écris à chaque matin et à chaque soir, puis ça te fait vraiment focusser sur les trucs positifs de la vie, sur les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Donc c'est vraiment juste quelque chose d'ultra positif. Et puis je continue à faire mes petites méditations à chaque matin, donc soit de 5 ou 10 minutes, puis j'écoute toujours une genre de vidéo YouTube qui guide ma méditation, parce que sinon mes pensées sont comme un peu all over the place. Fait que c'est pas mal comme ça que ces temps-ci, je m'assure de rester saine d'esprit puis de garder un équilibre dans ma vie. Parce que sinon, comme vous savez, le reste du temps, ça arrête jamais. Je travaille pas mal non-stop. Fait que ça me fait vraiment du bien de faire ces petites choses-là chaque matin. Puis je vous conseille de l'essayer aussi si ça vous tente. Là. Faites juste essayer quelques matins ces petits trucs-là. Puis en réalité, pour moi, ça fait toute la différence. Fait que là-dessus, ça va faire le blanc blanc. Let's get to work. Last day of the week, Friday, we can do this. What the fuck? Holy shit, ma porte d'entrée. Ma porte d'entrée vient de s'ouvrir littéralement toute seule. What the fuck? Hi, fantôme dans l'appart. Bon, je m'en vais luncher avec Sin. Fait que here's the OOTD. Oh my god, c'est tellement nice. Normalement, il n'y a rien de vu là. Là, c'est juste la tempête. Holy shit! Comment je suis censée fucking traverser ça? Bienvenue à Montréal l'hiver. Les bancs de neige. Yeah. Ben alors là, je reviens de lunch avec Sin, c'était méga taste. Puis je vais tout juste texter mon ami Izu, aka Gamine Vagabonde, pour qu'on se fasse un petit shoot rapido presto, parce que en ce moment, c'est la tempête dehors. Mais ça sort vraiment bien en photo, fait qu'on va en profiter pour créer du content. But first things first, faut que j'aille prendre ma douche, laver mes cheveux, put some make-up on, parce qu'en ce moment, je suis pas très tranquille. Fait que allons fixer cette face-là. Là. Ok, donc pour me fixer, la première étape, laver mes cheveux. Comme deuxième étape, j'utilise le Wonder Water qui est une formule 100% liquide qui hydrate en profondeur la fibre de cheveux. C'est une toute nouvelle technologie directement venue de l'Asie et qui est le Lamellar Water Technology. Ça veut dire qu'à la place de faire un traitement de 5 minutes dans un salon, tu peux avoir les mêmes résultats en 8 secondes dans ta propre douche. Applique le produit sur tes cheveux mouillés juste après ton shampoing, ensuite masse pendant 8 secondes. Rince le tout and you're good to go. Remplace ton revitalisant par ce produit et utilise-le 2 à 3 fois par semaine pour avoir des cheveux parfaitement lissés et soyeux. Complète le tout en faisant ta mise en pli habituelle et enjoy ta tignasse trop belle! Thank you.
train de déblayer notre entrée d'escalier. Pour ne pas se péter la gueule. This collaboration is brought to you by me. Okay, 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 what's your name? I gotta say my name is Kodak and I am on crack. Put an ice pack on my head and come back, see if I'm dead, and tell my mom that I'm a flying bomb. Okay, 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 what's your name? I gotta say my name is Kodak and I am on crack. Là, on a une idée de photo. Faut que je me pitch en étoile sur ce spot de neige vierge juste ici. Donc pour ce faire, je vais passer de la barrière là puis je vais sauter en bas là. Okay, 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 what's your name? I gotta say my name is Kodak and I am on crack. C'est froid. Going in the future, super smooth to boost the zoomer. On my Google mood is cool to organize on my computer. Who are you? Papi style. Papi, papi. It's like déjà. Got it. On ne. Là, je... Donc le photoshoot is done. D'ailleurs, mon make-up et mes hairs sont encore on point malgré le fait que je me suis garochée dans la neige. Mes cheveux sont encore ultra soyeux, lisses. Puis comme vous savez, je les ai coupés il y a pas si longtemps, fait qu'on dirait que le mélange du fait que je les ai fraîchement coupés et puis le produit que j'ai utilisé sous la douche de L'Oréal les a rendus genre vraiment, vraiment extra doux en ce moment. Fait que ouais, c'est ça. Puis sinon, pour ce soir, je planifie passer la soirée relax avec mon amoureux ici chez moi parce que c'est encore le déluge dehors. Fait qu'on va pas conduire dans cette température. Et puis demain matin, on va aller rejoindre mon frère à Ottawa. Fait que on se voit demain. Bon, épreuve numéro 1 de la journée. Déblayer la voiture. C'est sûr que moi qui le fais. Non, on va s'aider, on peut se réveiller. Comment tu vas faire avec tes petits bras? Ah, oh, fuck you! Les jours de l'hiver! Triple A, credits are right. Hang up the phone and let your heart break. Fais une tentative pour sortir du banc de neige. Va-t-on réussir? Essayons. Oh! Ah, 24 twice. She's on the phone, but she stayed. Bon, t'es-tu prêt à aller patiner? Yes. Nice, full equipped. Toi, t'es-tu prêt? Non, toi, c'est sûr que tu fais de la. De quoi? Pourquoi t'es pas full? Fuck. Probablement la troisième fois de ma vie que je patine, donc. Ça risque d'être drôle. Toi aussi, hein? Ouais. Mais t'es Canadien. Moi, je suis. C'est censé être dans ton sang, ouais. Ok, on a loué des patins. C'est chaud, pas naturel. Ouais, mais c'est. Regarde. Ça part mal là, on a. Non, mais c'est pas serré. Ouais, toi, mais. T'as deux patins différents. Ouais, moi j'ai clairement deux patins différents, je comprends pas. Ok, c'est genre les plus patins que j'ai vus de ma vie. J'ai fait 7 ans de passer à l'article et j'ai de la misère à patiner avec ça. On fait avec les moyens du bord. Ok, let's go! Ah, voilà un petit glaçon français. Ouais, m'oblige pas à faire des figures. Des figures? Ouais. Go, fais ça. Go, essaie de faire du passage artistique, essaie de faire une belle position. Ça va? Oh, c'est pété rien dans le trou? Honnêtement, c'est quoi, c'est ça? Je me mettais les gars dans le trou, mais je trouvais que c'est une bonne excuse. Ouais, parce que tu pétais rien là-bas. Bon, fait que là, on revient de passer la journée à Ottawa avec mon frère et sa blonde. C'était full nice, même si on a patiné vraiment pas tant longtemps que ça parce qu'il fait des frais dans ta vendeur et nos orteils allaient déjà tomber. Avoue, t'as ouais. Comme failli perdre tes j'ai cru, orteils. J'ai cru que t'as dit que Thomas était tombé. Ben aussi, t'es tombé deux fois. Il est un peu un mauvais perdant. Ok, mais. Ah, il vient de passer. Oh my god, je suis là. Wow. Fait que là, on vient tout juste d'arriver au parc Omega, qui est à Montebello. Cet endroit-là, c'est genre, c'est vraiment insane. Dans le fond, c'est comme une partie dans le parc, comme des chalets, puis tu peux dormir avec les loups. Genre. Cette partie du chalet donne directement dans l'enclos des loups. Puis le chalet est d'ailleurs insane. Je vais vous faire un petit chalet tour. Ici, on a une salle de bain. Very nice. Là, il y a la cuisine. Oh my god. Le salon de pigeon. What the fuck? Il y a une première chambre ici avec des tables de chevet qui sont tellement fancy. Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. What the fuck? C'est donc bien beau ça. Wow! Puis ensuite, on monte
au deuxième étage, que je n'ai pas encore vu. Oh, oh my god. C'est genre une mezzanine qui donne sur les loups. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu fais avec la fourchette? Quoi? J'ai vu, c'est de la cacher, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'étais en train de te coiffer avec la fourchette par hasard? Oui, j'ai pas de peine et j'ai besoin de quelque chose pour me coiffer, sinon c'est j'ai les cheveux. Pris sur le feu! Oh my god, moi ma tête. C'est vrai que j'aurais sûrement besoin de me coiffer avec une fourchette aussi. Dans les bois avec les loups. Comment t'as trouvé ça? Trop cool. Ah oui, c'était trop bien ça! Grave, c'est vraiment ouf. En plus, le chalet était vraiment cool. Ouais, full. Bye, nos amis les loups. C'était trop cool de dormir avec vous. Bye! Oh my god, ça sounds so cute! Ok, fait que c'est la toute première fois que je fais ça. J'ai jamais fait ça. Fait que, en tant que bonne Québécoise qui se respecte, je peux même pas croire que j'étais pas déjà venue au Parc Omega. Mais bon, me voici, me voilà. Je suis bien préparée. Ah, je suis un peu stressée! Viens t'en monsieur, j'ai une carotte pour toi! Oh, oh my god! Non, pas moi, avec toute ma carotte! Ok, il y a toute ma carotte! Je peux pas avancer là. Ok, bye! Bye! Ah! 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 Oh my god! Il va rentrer! Il va sa tête avec son truc! Bye, monsieur Lorignal! Allez, toi! Oui, on a quelque chose pour toi! Oh my god, c'est des bébés sangliers puis des bébés Bambi. Oh! Je suis une adulte responsable. C'est parce que, comme vous voyez, je reviens d'aller faire l'épicerie. Je prends mes responsabilités d'adulte en main. Donc là, j'ai passé vraiment une fête semaine incroyable, vraiment. Là, on est dimanche. Gotta get back to our little work week routine. Fait que là, j'ai fait mon épicerie pour la semaine. J'ai acheté plein de trucs healthy. Of course, il fallait quelque chose go wrong. J'avais pas mes sacs réutilisables avec moi parce que je suis pas revenue chez nous. Il était chez nous. En tout cas, whatever. Fait que je pense que c'est pas mal ça qui conclut ce petit vlog ici à Montréal. Let me know si vous avez aimé ça. Petit vlog un petit peu plus dans ma routine ici au Québec et pas à l'autre bout du monde en train de faire de la montgolfière, du bateau, plein d'affaires incroyables. Je pense que c'est quand même cool de vous montrer un peu ça ressemble à quoi ma réalité ici quand je suis à Montréal. Donc c'est ça, là-dessus, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye, coucou, je vous aime. Bye, I love you.